dossier, un dossier très sensible, l'affaire Outreau. On en a beaucoup parlé ici à l'Assemblée nationale. Une affaire sans précédent dans les annales judiciaires, une affaire pédocriminelle, faut-il se rafraîchir la mémoire, qui se passe à Outreau, qui est une ville près de Boulogne-sur-Mer, l'affaire débutant en 2000, affaire où des enfants maltraités, violés, racontent leurs sévices à la police, puis au juge, des témoignages qui vont faire l'effet d'une bombe, on va y revenir dans quelques instants. On parle même d'enfants tués à cette époque, 17 personnes accusées, condamnées au procès de Saint-Omer. Là, nous sommes en 2004. Et puis, changement de décor et de rythme, l'affaire prend une autre tournure avec les déclaration de Myriam Badawi. Elle innocente certains accusés, des accusés victimes, et bien selon les médias, d'une immense erreur judiciaire. Victime aussi du délire des enfants. On reviendra sur la parole de l'enfant, c'est important. Et victime du juge Burgot. Vous le voyez derrière moi en gros plan. Un homme dur et incompétent, disaient les médias à l'époque, depuis quelques semaines, et c'est l'occasion de cette émission ce soir. Et bien des journalistes ont décidé de proposer un autre regard, une autre analyse sur cette affaire, peut-être une vision moins manichéenne. On reviendra évidemment sur ce débat. Et si ces acquittés d'Outreau n'étaient pas tous blancs, et si la justice, une nouvelle fois, s'était trompée une deuxième fois. On va y revenir dans quelques instants. Jacques Thomé, bonsoir. Vous êtes journaliste, ancien rédacteur en chef à l'AFP, et vous sortez ce livre qui est une claque. Retour à Outreau, contre-enquête sur une manipulation pédocriminelle. L'éditeur, c'est Contre-Culture. On reviendra sur tout ce que vous racontez. Vous dites dès le début que vous avez dépouillé les 30 000 pages de ce volumineux dossier Outreau, et il y a des moments, des révélations fortes, notamment sur la parole de l'enfant. On y reviendra avec vous dans quelques instants. Jacques Thomé, je suis donc en retraite, j'ai passé toute ma carrière à l'AFP, mais essentiellement à l'étranger, plus de 18 ans à l'étranger. J'ai commencé à Nice, mais un tout petit peu dans un quotidien qui s'appelle plus Le Provençal, à Manosque, donc tout près d'ici. La direction se trouve à Marseille. Et donc, après avoir passé toute ma carrière à l'agence, je me suis retrouvé en retraite et j'ai continué à avoir un blog pour continuer à faire un travail journalistique, et notamment sur l'Amérique du Sud, que je connais comme ma poche, puisque j'ai écrit deux livres dès que je suis parti en retraite sur les scandales de l'affaire Ingrid Betancourt. Puis deux autres bouquins que j'ai connus, puisque j'ai dû m'occuper longtemps de cette prise d'otage en dehors du travail qu'on avait sur ce qui se passe dans cette région. Je m'occupais également du Venezuela, puisque je connaissais bien Chavez, que j'ai interviewé, dont j'ai couvert le coup d'État contre lui en 2002. Et l'Équateur, il y a aussi beaucoup de coups d'État. Et donc je me suis retrouvé en France, après avoir écrit ces bouquins sur la Colombie et l'agence, cette magnifique entreprise où nous sommes tous des anonymes, mais qui constituons le travail, qui représente, ce que vous ignorez peut-être, à peu près 95% de ce que vous lisez les journaux sur ce qui se passe à l'étranger, puisque les journaux comme La Provence n'ont aucun correspondant à l'étranger. Ça a été de plus en plus comme ça, y compris pour des grands journaux comme Le Monde ou Le Figaro. Voilà. Et donc, j'étais donc en train de poursuivre mon enquête sur l'Amérique du Sud lorsque j'ai assisté à un colloque sur le conseil d'un ami d'enfance qui est actuellement président de cour d'assises en France, qui m'a dit « tu devrais venir à ce colloque, vous allez en entendre parler, je crois que c'est vers la fin, enfin je ne sais plus à quel moment, dans le film, où vous verrez notamment Pierre Joxe qui y était, et tu devrais y venir parce qu'apparemment il y a une mystification dans l'affaire d'Outreau. » Bon. Puis moi ça m'intéresse, donc je suis allé, là j'ai découvert que la vérité officielle qui vous avait été représentée à nous tous ainsi qu'à tous les Français n'était certainement pas celle qui correspondait à la réalité. C'est à ce moment que j'ai commencé à m'intéresser au sujet et donc à enquêter. Et là j'ai donc, grâce à mes contacts, obtenu les DVD des 3200 pièces judiciaires qui présentent 30 000 pages de textes à lire en audition d'enfants, de témoins et d'adultes. Ça m'a pris 4 mois à la raison de 10 heures par jour pour arriver au bout de la seule étude de ce qui a été dit dans l'enquête qui a commencé en janvier 2001, pardon, en février 2001,
jusqu'à la fermeture du dossier en juillet 2003, avant les procès de Saint-Omer de 2004, puis en appel à Paris en 2005, décembre 2005. Donc, je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant, c'est pour vous situer le contexte. J'ai été tellement horrifié par ce que j'ai découvert chaque jour dans toute cette masse de dossiers, c'est que c'était non seulement pas la vérité que on vous a livrée dans les médias et au niveau politique quand vous avez vu à quelle hauteur politique c'est monté jusqu'au sommet de l'État, c'est plus qu'une divergence, une différence. C'est pour moi une véritable imposture d'État que j'ai découverte. Et à partir de ça, ayant commencé à lancer un blog pour expliquer ce que je faisais, ce que j'allais faire, j'ai commencé à recevoir des tonnes de courriels sur ma messagerie, et où j'ai découvert que depuis Outreau, les enfants n'étaient plus entendus lorsqu'ils étaient victimes de viol en France. Que non seulement il n'était plus entendu, mais que dans la plupart des cas, quand une mère osait porter plainte pour viol contre son enfant par un proche, que ce soit le mari ou le grand-père ou l'oncle ou le cousin, eh bien non seulement il y avait dans la plupart des cas pas de conséquences pour le prédateur, mais qu'en plus l'enfant finalement était mis par la justice dans un foyer et de plus en plus de cas que vous verrez, y compris dans mon livre, ici, qui est ici, je vais vous en reparler, et dans beaucoup de cas remis, y compris aux prédateurs, au terme de décisions judiciaires totalement incompréhensibles. Donc c'est ce qui m'a motivé pour continuer à enquêter, parce qu'il faut absolument aujourd'hui qu'une grande mobilisation se fasse pour qu'éclate enfin la vérité sur non seulement Outreau, qui n'est qu'une pointe de l'iceberg, mais sur l'immensité du scandale impuni de la pédophilie, je ne dis d'ailleurs plus le mot pédophilie, du scandale de la pédocriminalité en France qui touche un nombre incalculable d'enfants. On parle aujourd'hui de 260 000 enfants par an. Officiellement, les chiffres officiels des offices nationaux parlent de 15 000 enfants. Quand vous savez la difficulté pour un petit enfant. Sans parler des bébés, puisqu'il y a même des bébés qui sont violentés, leur difficulté à s'exprimer pour dire de telles choses, c'est bien facile de comprendre que ces chiffres ne correspondent pas à la réalité. Voilà, je ne veux pas être plus long, que vous voyez le film, et ensuite nous allons entreprendre une discussion, encore une fois, qui sera totalement dans le cadre d'un échange. Où j'espère vous révéler, si vous n'avez pas le livre, ben je vous révélerai un tas de choses que vous ignorez, qui sont le fruit de mes recherches. Aucune des lignes que j'ai écrites ici ne correspond à des interprétations, à des commentaires de ma part. Ils sont le fruit uniquement de ce que j'ai découvert dans ces 30 000 pages, dans les autres milliers de pages de dossiers complémentaires d'Outreau, totalement inconnus du grand public. Donc de vous, ce qu'on appelle les outrobis, où des adultes concernés par l'affaire d'Outreau principale sont concernés, où des enfants concernés par l'affaire d'Outreau principale sont également cités. Ça a eu lieu après le dernier appel d'Outreau en 2005. Alors, concernant mon livre, et je conclue pour l'instant, c'est qui s'appelle Retour à Outreau contre enquête sur une manipulation pédocriminelle. Il est publié chez Contre-Culture, KONTRE, un autre K Culture. Non seulement les éditeurs se sont dégonflés, ont eu peur, n'ont pas eu le courage, mais maintenant, lorsque j'ai contacté tous les grands médias, et je connais pas mal quand même de journalistes, parce que j'ai passé la majeure partie de ma carrière à l'étranger. Je l'ai envoyé notamment à la directrice du Monde, qui m'avait interviewé lorsqu'elle était journaliste de base à propos de l'affaire Bettencourt et de mes livres. Et bien, la journaliste à qui elle m'a dit d'envoyer le bouquin, et à qui je l'ai redit, n'a jamais écrit une seule ligne, n'a jamais dit me répondre. Et ainsi de suite, je peux vous citer le nom de tous les grands médias que j'ai écrits.
le patron de Libération, le patron du Point, le patron de l'Express. Ça vous étonnera peut-être, mais un monsieur qui fait aujourd'hui la une d'une nouvelle revue, que je ne citerai pas parce que je n'ai pas envie de faire de la pub, qui parle de M. Edoui Plenel, président, il faut que vous sachiez qu'il y a 3 mois, mars, avril, mai, ce mai est fini. Ça fait 3 mois que j'ai laissé un message sur le répondeur, que je lui ai écrit une lettre, par courrier. Il m'a jamais répondu. Son journaliste qui a fait l'affaire Cahuzac, M. Harfi, je lui ai écrit, je lui ai laissé un message. Il m'a jamais répondu. Ces gens-là ne venaient même pas m'expliquer pourquoi. Mais chacun se garde bien parmi cette gente de vouloir bien expliquer pourquoi il ne s'intéresse pas au dossier. Voilà, il est bien évident qu'il est plus facile de braquer ses caméras sur les tennismans de Roland-Garros, hein, ou sur les manifestations contre le mariage homosexuel, que de se pencher sur l'enquête justement des prédateurs sexuels. Voilà, à tout de suite. Et bon visionnage pour ce film. C'est le journal avec un collègue qui a mis comme moi 2 ans, moi j'ai mis 2 ans enquêté, lui aussi il a mis 2 ans à faire ce documentaire. Ces enfants sont notre avenir. C'est l'avenir de la société. Que ces enfants, la manière qu'ils ont été traités, peuvent devenir des bombes à retardement. Tous les week-ends que j'ai passé là-bas, je vivais un enfer. Les personnes qui venaient chez moi venaient avec leurs enfants. C'était vraiment un business. Je n'ai jamais vu un procès comme celui de Saint-Omer, où les défenseurs hurlaient dans la salle. Expliquer comment ça s'est passé. Alors, j'ai vu tous ces avocats monter, tous ces avocats de la défense monter, tous en robe noire, avec le poids du groupe, le poids du nombre, contre un petit enfant de 12 ans qui est seul. Bien, je peux vous dire que le AK des All Blacks, côté de ça, c'est rien. C'est rien parce qu'en face, on n'a pas le 15 de l'équipe de France. On a un enfant. Ils ont essayé de m'égorger comme un mouton, comme un cochon. Mais faire fermer la bouche de l'enfant en l'impressionnant, ben ça, c'est tout sauf la justice. On est passé d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire de tous coupables à tous innocents. Incroyable, le juge d'instruction interrogé comme un malfaiteur. J'étais comparé à un nazi. Il paraît que c'est une affaire qui a beaucoup intéressé le pouvoir politique. La défense et la vérité, il peut y avoir un fossé. Et je ne comprends pas que mes confrères chroniqueurs judiciaires n'aient pas notamment crié au scandale quand à Saint-Omer, lors du premier procès, on a mis les enfants victimes dans le box des accusés pour des raisons de place et de commodité et de sauvegarde de la bonne gestion du budget. Et on a mis les accusés dans le public avec les avocats et les journalistes, ce qui favorise évidemment quelques accointances, quelques connivences, quelques complicités. Si vous deviez résumer d'une phrase votre thèse, telle que la démontre votre film, ce serait quoi ? Ce serait de dire aux auditeurs, on vous a menti, on vous a désinformé. On vous a caché par exemple que les enfants ont été installés dans le box des accusés et les accusés dans le public au contact des journalistes. Voilà, on a caché ça. C'était lors du premier procès. Hein. À Saint-Omer, oui. On a caché le fait qu'il y a 12 enfants qui ont été définitivement reconnus victimes. On a caché le fait que c'était un procès déséquilibré, que les 17 accusés adultes avaient 19 avocats, alors que les 15 enfants n'avaient que 2 avocats. On a caché un certain nombre de choses. Et c'est tellement vrai, parce que maintenant, avec les avant-premières, il y a plusieurs centaines de spectateurs qui ont vu le film. Et les réactions à l'issue sont
toujours les mêmes. On a entendu tout à l'heure Karine Duchossois, hein, l'une des accusées acquittées finalement, qui réagissait dans la salle. Elle était scandalisée par votre film. Comment vous le comprenez ? Bah écoutez, organiser un tête-à-tête avec Karine Duchossois, si on veut parler de son dossier, on parlera de son dossier. Et pourquoi ? Ben écoutez, il faut lui demander. Alors Karine Duchossois, vous étiez évidemment à ce procès. Est-ce que vous avez le sentiment que les enfants ont été mal défendus, mal conseillés, que cette configuration également a joué ? Alors la configuration, moi je trouve que c'est un argument. Je crois que vous n'aviez pas grand-chose en fait, que vous avez pris des arguments qui sont ridicules. Parce que comment voulez-vous que nous, en tout cas, on soit responsable qu'on nous ait mis sur les, dans le public à la place du c'est public. C'est pas ce qui est dit, hein. C'est si, pas c'est ce qui est dit. C'est que les enfants sont dans le box des accusés et que nous, on est. Non, c'est pas oui. dit qu'on est responsable. Mais j'ai pas dit que vous étiez responsable, mais je dis qu'il est scandaleux qu'on ait installé les enfants dans le box des accusés. C'est une configuration, ça s'est fait comme ça, je veux dire, ça remet pas en cause. Ça s'est fait comme ça, non. Le procès, ça remet pas. Et un enfant ne sait pas qu'il est placé à ce moment-là dans le box d'un accusé. Vous aviez, vous, les 17 accusés, vous aviez 19 avocats. Les 15 enfants en avaient 2. D'abord, je souhaiterais que, à savoir de vos réactions sur ce film, encore une fois, je ne suis pas l'auteur, puisque c'est Serge Gard, puisque c'est la première fois que vous voyez, est-ce que vous avez des réactions, des questions à partir de ce film ? C'est seulement ensuite qu'on abordera le développement sur mon enquête elle-même, qui est publiée dans mon bouquin. Allez-y, hein, parce que oui, j'ai l'impression que ça choque. J'ai l'impression que, mais je préférerais que ce soit vous qui le disiez. C'est le conseil général du Pas-de-Calais, puisque tous ces enfants étaient placés en foyer ou dans des familles d'accueil, qui a eu la responsabilité de la défense des enfants. Eh bien, je vous laisse conclure, ce conseil général qui ensuite a décoré Florence Aubenas à Boulogne-sur-Mer, enfin ou dans le Nord, je ne sais plus dans quelle ville, il y a 2 ou 3 ans, ce conseil général n'a consacré son argent qu'à n'a contracté que 2 avocats pour ses 18 enfants. C'était eux les responsables. Qu'est-ce que vous croyez, à votre avis, que j'ai fait lorsque j'ai découvert ça ? Qu'est-ce que j'ai fait avec le Conseil Général du Pas-de-Calais ? Vous avez demandé des comptes. Qui c'est qui a parlé ? Absolument. J'ai écrit à M. Dupilet, président du Conseil Général du Pas-de-Calais. Nous, M. Thomé, nous avons bien reçu votre accusé de réception. Bon, les semaines passent, les mois passent, toujours rien. Nouveau courriel à M. Dupilet, Conseil Général. Nous avons bien reçu votre demande. Aucune réponse. Je n'ai jamais reçu aucune réponse du Conseil Général pour qui m'explique pourquoi au Conseil Général de... C'est où c'est, des Bouches-du-Rhône, on met un avocat par enfant et qu'on n'en a mis que 2 pour 18 enfants à Saint-Omer. Aucune réponse. C'est la tactique la plus tranquille, ne pas répondre, faire le mort. C'est ce qu'a fait monsieur maître Dupont-Moretti, c'est ce qu'a fait monsieur Franck Berton, ses avocats. Je leur ai demandé, je les ai relancés 3-4 fois pour avoir leur point de vue dans cette affaire, sur mon enquête et sur leur attitude, que je pèse mes mots, lamentable, effroyable, en tant que père et grand-père, je ne comprends pas que des hommes qui se disent avocats puissent traiter des enfants comme ça en public et avec le silence total de la presse de l'époque sur ces conditions vraiment inimaginables. Que M. Houillon fasse l'ignorance sur ce qu'il a écrit dans son propre livre, c'est une autre horreur. Il a bien écrit, je le répète, quand ils seront devenus adultes, les enfants d'Outreau vont toucher une indemnité pour des viols imaginaires. Ça veut dire que M. Houillon est passible de poursuite devant la justice, puisqu'il conteste officiellement
le jugement. Que c'est inadmissible que M. Houillon ait traité les enfants comme ça, je vais même le répéter. Pour M. Houillon, pour M. Dupont-Moretti, pour M. Franck Berthaud, Mme Blandine Lejeune. J'ai dit, je répète, c'est honteux ce que vous avez commis. Je vous le dis les yeux dans les yeux. Et je souhaite, mais tous les enfants d'Outreau et tous les autres enfants maltraités, par leur voix, souhaitent qu'un jour, publiquement, vous prononciez des excuses pour les horreurs que vous avez commises à leur dépens. Merci. Ah, est-ce que je vais avoir 67 ans, vous allez me faire pleurer. Et au passage, bravo pour votre patience, parce que eux, je rappellerai qu'ils ne se gênent pas pour vous insulter de négationnistes. Oui, je sais. Révisionniste. Négationniste à un moment donné, oui. Je peux vous dire que j'ai passé 4 mois à éplucher les 30 000 pages du dossier. J'ai tout noté sur un gros cahier noir. Et ensuite, j'ai croisé, comme l'a fait d'ailleurs le procureur de Dunkerque, aussi bien les déclarations des enfants que les déclarations des inculpés, des accusés de l'époque, puis acquittés. Et je me suis rendu compte que, en fait, le juge Burgot, c'est pas 18 adultes qu'il aurait dû mettre en détention, c'est pas lui d'ailleurs qui les a mis, comme vous le savez, en détention. Hein? Ça n'a jamais été dit non plus. C'est dit dans cet excellent film de mon collègue Serge Garde. J'ai calculé qu'au minimum, il devait y avoir 40 personnes, 40 adultes, mis en examen par le juge Burgot. Et notamment, je ne crains pas de le dire, parce que les preuves sont accablantes dans le dossier, je ne citerai évidemment pas leur nom, dont un médecin et une infirmière de la région d'Outreau. Et eux n'ont jamais été poursuivis. Le propre Fabrice Burgot, que j'ai rencontré à multiples reprises à Paris, m'avait dit, ben ça je lis dans mon livre, que voulez-vous, monsieur Thomé, je ne pouvais pas mettre la moitié d'Outreau en prison. Voilà. Les 12 enfants, vous aurez remarqué quand même qu'ils ont été indemnisés, mais dans quelles conditions, hein? Vous avez vu les différences de chiffres. 30 000 euros pour la plupart, 10 000 pour un autre, par rapport aux sommes astronomiques que vous avez vues. Alors là, je vais vous donner une information qui est terrible, parce que c'est en cours. On attend justement que les associations de défense des enfants envoie le texte qui a déjà été préparé. J'ai découvert à la fin de mon enquête, alors que le livre était pratiquement fini, que les auditions des enfants à huis clos pendant les procès de Saint-Omer et de Paris, donc en 2004 et 2005, ces enfants ont été enregistrés à la demande du propre président des assises de l'époque. Je l'ai retrouvé ça dans le procès-verbal des assises de Saint-Omer, notamment. Eh bien, tenez-vous bien, j'ai demandé, en tant que journaliste, d'avoir accès, comme j'y ai le droit, à ces cassettes pour écouter, et notamment ne pas me baser dans mon livre uniquement sur ce que m'ont déclaré des avocats ou des témoins d'associations sur la manière abjecte dont les enfants ont été traités par des avocats pendant le procès. Donc je voulais entendre, puisque ça a été enregistré, et y compris le relater mot pour mot. Tel avocat a dit ceci, tel enfant répond cela. Et tenez-vous bien, la chancellerie, c'est le ministère de la Justice, interrogé par mes soins, m'a répondu, on n'est pas au courant. J'ai écrit au procureur général de Paris, qui m'a renvoyé en disant que, bon, dans les cordes, je n'ai rien d'ailleurs compris à sa réponse. Les procureurs de Boulogne sur mer, les procureurs de Saint-Omer, personne ne sait où se trouvent les cassettes. Or, j'ai eu des confirmations que les cassettes ont bien été récupérées par des secrétaires qui l'ont confirmé à des sources à moi à l'époque du procès. Donc, où sont passées les cassettes? Parce que ça, le jour où il y aura un rebondissement, je pense qu'un jour il y aura un rebondissement terrible, cette fois-ci en faveur des enfants d'Outreau,
dont le nom a été bafoué, qui ont été traités de menteurs, eh bien, quand il y aura le rebondissement, je pense qu'il sera bon que ces cassettes puissent être entendues pour démontrer quelle a été la violence et l'attitude, justement, de tous ces avocats que vous avez vus dans ce film. Quelque chose d'extraordinaire, c'est que les gouvernements passent, que ce soit de gauche ou de droite, et puis on ne voit pas tellement le changement concernant l'affaire d'Outreau. Monsieur Hollande a refusé en janvier de recevoir les enfants d'Outreau, tous ces enfants victimes, dont Chérif Delay qui est là, mais ça je ne l'aperçois pas. Ah, il est là. Que je ferai venir tout à l'heure. Nicolas Sarkozy avait fait de même, il avait dit « oui, on va recevoir les enfants d'Outreau », avait-il répondu à une association de défense d'enfants, et à toi. Et ensuite, le chef de cabinet a répondu que monsieur Sarkozy n'avait pas le temps, vu son emploi du temps, de recevoir les enfants. Mais monsieur Hollande vient de faire pareil. Comment un enfant peut se reconstruire? Je vous présente Chérif Delay. Bonsoir. L'un des 12 enfants victimes. Alors, donc, Chérif, qui écrit maintenant de la musique, qui veut absolument se reconstruire, qui a eu beaucoup de difficultés, comme vous savez, parce qu'il a eu... Il a même été condamné par la justice. J'étais au procès le 8 décembre 2011. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 3 ans de mise à l'épreuve parce qu'il avait sur Facebook menacé de mort le couple Lavier. Donc en fait, par rapport au président, donc moi j'ai moi-même écrit net à Nicolas Sarkozy où il m'a répondu, bien sûr, qu'il ressentait la souffrance que les enfants ont en ce moment aujourd'hui. Que s'il était élu, il nous invitait à l'Élysée. Donc moi, je lui dis que je veux que le président de la République reconnaisse publiquement qu'il y a 12 enfants qui ont été reconnus victimes. Parce qu'il y a le Premier ministre qui a dit qu'il y avait aussi des innocents, etc. Qu'il y avait, comme vous avez vu dans le film, Sarkozy qui dit qu'il y a 3... Il y a des personnes pendant 3 ans, ils ont été en prison pour rien du tout. Hein. Donc moi, je veux aussi que ces enfants soient respectés, qu'ils reprennent leur dignité, hein, parce que c'est très dur de reprendre sa dignité après tout ça. Et malheureusement, il n'a pas été président. Et j'ai envoyé une lettre à Monsieur Hollande, qui s'est foutu de ma gueule, hein, en me disant qu'il pouvait rien faire, que la justice, voilà, jugé, voilà, comme ça, et c'est comme ça. En disant que c'était bien précis ma lettre, je veux publiquement qu'ils disent qu'il y a 12 enfants qui étaient reconnus victimes. Point. C'est aussi, ça a été reconnu par la justice. Donc en fait, voilà. À l'encontre de la justice. Exactement. Comme les acquittés, ils ont été acquittés. Voilà. Je suis dans la défense des enfants. Et je veux que le président, aujourd'hui, notre président, reconnaisse publiquement qu'il y a 12 enfants qui étaient reconnus victimes. Je veux que le président dise à la France qu'il y a 12 enfants qui étaient reconnus victimes et qu'on leur redonne leur dignité. Pourquoi ? Comme il dit Jacques, il y a 56 enfants dans Outreau. Et il y en a 12 qui étaient reconnus victimes. Donc les autres peuvent encore porter plainte pour un nouveau fait qui n'a pas été validé. Voilà. Comment ils peuvent ? On s'est fait insulter. Comme vous avez vu, il y a un des avocats qui a été dire... qui m'a posé la question, est-ce que j'étais violé par un extraterrestre? Alors, quand une victime qui n'a pas été voir la police, etc., et qui voit ça, excusez-moi, il ne va pas aller à la police. Parce qu'il dit, ce que Chérif, Dimitri, Dylan, et Jonathan, et les autres enfants ont vécu dans ces procès, moi, je n'ai pas envie de le vivre. Donc, voilà, je veux que le président reconnaisse qu'il y a 12 enfants qui étaient reconnus victimes dans cette affaire, parce que on peut aller tout de suite, tous ensemble, taper aux portes, et on dit pour vous, c'est pas Outreau, malheureusement, c'est des personnes qui ont été en prison pour rien, c'est un juge d'instruction qui a mal fait son travail parce qu'il était jeune et incompétent. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Et moi, excusez-moi, ça m'attriste. Il n'y a plus de haine, ça m'attriste. Parce que même encore dans la salle, il n'y a pas beaucoup de monde. Et pourtant, on est dans la défense des enfants. Eh oui.
Voilà. Ouais. Et les enfants, c'est demain, c'est le futur, quoi. C'est même pire que ça. Il vient de faire allusion à ce que lui a dit un avocat, dit-il. C'est pire que ça. C'est pas un avocat qui lui a dit « Alors, vous avez été violé par un extraterrestre ». C'est le propre avocat général, Yves Janier, qui est censé défendre le ministère public, hein, qui lui a dit très précisément, après avoir été violé avec un camion de pompiers, une échelle de camion de pompiers, lui, il n'a jamais dit ça. C'est le propre Franck Lavier, l'un des acquittés, qui avait dit qu'il avait vu un jour un des enfants se faire violer avec un camion, avec une grande échelle de pompiers. Excusez-moi. Mais Jacques, il y a un truc qui est très important que les gens doivent savoir, c'est que, vas-y. Après Outreau, comment ils sont devenus, ces enfants, c'est que ces enfants, ben, ils ont été en foyer, en Belgique. Pourquoi? En disant que moi, j'étais dans un foyer pour délinquants, et je n'y étais pas. J'avais jamais fumé un joint de ma vie. J'avais jamais même provoqué la police ou quoi que ce soit. C'est après Outreau. Ils les ont envoyés en Belgique. Voilà. Donc, juste avant le procès à Paris. Juste avant le procès à Paris. Moi, c'était en 2004. Okay. Donc, CER, Centre d'éducation renforcé. Tes frères aussi. Après. Ouais. Centre d'éducation renforcé en Belgique. Ça, c'est dans le livre qu'il a écrit, qu'il a publié il y a deux ans, en 2011. Hein. Donc, le jour de mes 18 ans, ils m'ont pris mon sac, hein, lui-même, le chef d'éducateur, il a pris mes vêtements, comme de la merde. Hein. Et puis, il m'a dit, tiens, ticket de train, au revoir. T'as 5 minutes pour partir. Sinon, j'appelle la police. Ah bon? Et je dis, je fais quoi? Il me dit, tu vas au conseil général, on t'attend. Je vais au conseil général du Nord-Pas-de-Calais, c'est une dame qui travaillait au conseil général, je crois qu'elle est partout, voilà, elle est là. Je sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous c'est pas ça. Si, j'ai expliqué, là il y a des avocats. Donc, je fais un peu d'humour parce que voilà, ouais, c'est, ouais. Voilà. Donc j'arrive au conseil général vers, on va dire, 17h, avant la fermeture, et j'ai même osé le beunier, je vais là-bas, voilà. Mes sacs, je fais quoi? Ah, on peut plus rien faire, on peut rien faire pour toi. Voilà. Ben, je fais quoi? J'ai pas de famille, mes parents ils sont en prison, j'ai pas de cousin, j'ai pas de cousine, mon père il est en Algérie, je le connais pas, j'ai jamais vu, peut-être vous savez, mais il y a personne qui a voulu me dire. Le cousin et le frère de ma mère qui était à Outreau, il y a pas longtemps que je l'ai su par une personne, ils ont pas voulu me le dire non plus. Et elle me dit, ben, tu vas dans un foyer pour SDF. Bon. J'arrive au foyer des SDF, je sonne parce qu'il faut rentrer avant 7h, sinon bah, tu rentres pas. C'est comme ça, c'est les règles. Et j'arrive, je suis resté 4 jours, j'ai pété les plombs, je suis parti. J'ai préféré aller dehors. J'étais avec des potes, puis bon, il fallait de l'argent, il fallait que je me lave, il fallait que je m'habille. Et j'ai fait les plus grosses erreurs de ma vie, quoi. J'ai déconné, j'ai fait la délinquance, parce qu'il fallait que je m'affronte à cette justice. J'étais en pleine souffrance, j'étais en pleine haine. Où j'étais au passage piéton, la police passait, je leur faisais des feux, je courais pour provoquer, parce que j'étais impoli, parce que c'était comme ça, j'ai pas eu d'éducation, donc voilà. Et puis les foyers, bon, ils sont pas non plus, voilà, ils sont pas diplômés pour une éducation, sinon ça serait. Et il y a un moment donné, j'ai pété les plombs, j'ai fait un bar tabac, un PMU, où j'ai réussi à éviter la BAC. À 6h du matin, ils sont venus me soulever. J'ai fait 72 heures de garde à vue. J'étais au parquet, transféré. Et là, il y a le procureur qui vient me voir et qui me dit « Tu te rends compte ?» En plus, il me tutoie. « Tu te rends compte Les journalistes, ça va se savoir, etc. Ça va refaire du bruit par rapport à Outreau, etc. » Je dis « Bah oui, de toute façon, c'est ce que je veux. » Et je vais pas me laisser faire. Parce que, voilà, c'est comme ça. Parce que je sais que je ressens des choses que je ne dirai pas ce soir parce que je ne peux pas le faire. Et il m'a dit, bah, de toute façon, c'est ce que d'un, c'est le mandat de dépôt pour toi. En vrai, je vais aller en prison. C'était ça dans ma tête. Donc, je vais en prison où j'étais au début très bien traité, où ils l'ont fait exprès pour avoir que j'ai sur ma gueule. Où limite, les détenus, ils me traitaient de violeur parce que j'ai jamais une protection. Limite, j'étais à l'hôtel. Hein, où je limite si j'avais pas des hamburgers, où j'avais des cartouches de cigarettes,
où j'avais une promenade pour moi tout seul, sans les détenus, où j'étais en promenade et je l'ai su après que en fait c'était la promenade des pédophiles, où c'était exprès dans une promenade, exprès juste, il y a un grillage, après c'est un terrain de sport, et quand on mettait dehors, il y a les détenus qui jouent au foot avec les matons, etc., etc., et on me traitait de violeur, etc., etc., où il y a un moment donné, j'ai dit qui j'étais. Et puis je me suis fait respecter, et là j'ai eu sur ma gueule par des matons, on m'a traité de mythomane, où j'étais convoqué à la directrice de Sequedin, je précise bien, la maison d'arrêt de Sequedin, s'il y a quelque chose à dire, qu'elle le dise, il n'y a pas de problème. Hein. Où il y a un moment donné, j'ai vraiment pété les plombs, et j'ai mis du journal collé sur mes murs de prison, de ma cellule, et je me suis brûlé avec. Voilà. Donc j'étais collé à mon barreau, je suis devenu fou. Alors il y en a certains des journalistes qui disent que j'étais fou. Oui, il y a un moment donné, j'ai pété un câble, où mon cerveau s'est retourné, et là, je ressentais aucun danger, je criais, je gueulais, je rigolais. Et là, on appelle ça les Iris, donc c'est les forces spéciales, qui sont venues me soulever, où je me suis pris des coups de travache, hein, des coups de poing de partout, mais vraiment abusifs, et où j'étais au mitard, sans être soigné, où dans mon assiette, il y avait des cafards, où ils ont craché dans ma soupe, hein, limite ça puait la pisse, hein. Parce que bon, j'en ai pas les preuves, mais bon, je m'en ai plein, mais ça n'a jamais été prouvé. Oui, à un moment donné, j'ai eu encore sur ma gueule par eux, parce que j'étais en promenade, j'ai pas voulu rentrer dans ma cellule, parce que mon codétenu voulait me foutre sur la gueule, parce que il paraît que j'aurais mis des innocents en prison. Donc, après, il m'a avoué qu'en fait, c'était le chef du bâtiment A qui lui aurait dit. Il a voulu me foutre sur la gueule en disant que c'était quelqu'un de bien solide, donc je savais qui il était, donc je savais que je voulais pas rentrer en cellule. Où ils ont pété l'alerte et les cagoulés sont venus et puis ils m'ont ressoulevé. Et j'ai eu encore un traumatisme crânien où j'ai du sang à mes oreilles, ma bouche et mon nez. Personne n'a voulu me soigner non plus. J'ai été au SMPR, donc la prison psychiatrique, où là on m'a mis exprès en cellule avec un pédophile, hein, où j'ai dû exploser ses dents sur la cuvée des chiottes. J'ai vécu un calvaire pendant ce moment-là. Donc depuis, après je suis parti au Sénégal, quand je suis sorti de prison au bout de 5 mois. Et puis là-bas, c'était parfait quoi, pour moi, parce que personne ne me montrait du doigt. Personne ne me disait, regardez, c'est le fils de Myriam Badawi, là. Vous voyez, la mythomane. Ça aurait été un fou aussi, parce qu'il a accusé les pauvres malheureux, etc. Puis là-bas, on me regardait autrement. Hein, on me respectait, et puis voilà, donc j'ai créé un groupe de rap là-bas qui s'appelle Outlive, donc vie chaude, vie dure, quoi, pour c'est à peu près ma vie. Et puis je suis revenu pour le livre, où je me suis dit, en fait, ouais, il faut que je me batte, parce que je peux pas me faire traiter comme ça, c'est pas possible. Quand j'étais mineur, ok, ils m'ont insulté, maintenant il faut que je réponde, maintenant je suis majeur. Donc j'ai fait ce livre avec Serge, parce qu'il m'a demandé de venir dans ce documentaire, où c'est vrai que je me méfie du journalisme, mais quand il est venu, il m'a dit directement, voilà, mon but, c'est la parole des enfants, directement, j'ai signé. Et je lui ai dit, je ne veux pas d'argent. Donc je veux vraiment bien préciser, je n'ai eu aucun centime par rapport à ce documentaire et j'en veux pas. Parce que pour moi, la défense des enfants, c'est normal, c'est humain, et la France doit être comme ça. Parce que c'est les droits de l'homme, parce que la France, c'est comme ça, il faut défendre les enfants, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est demain, c'est après-demain, et j'ai pas envie qu'ils deviennent bourreaux. Ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir après? Est-ce qu'ils vont devenir bourreaux parce qu'ils se disent qu'en fait, tout ce qu'ils ont vécu, c'était eux les méchants, en fait. Et que ce qu'ils ont connu, malheureusement, vous savez, quand on a 18 mois, qui n'est pas mon cas, hein, on se fait violer. Parce que c'est vrai, c'est vrai. Il y a des bébés de 18 mois qui se font pénétrer par anus, excusez-moi, mais c'est le terme, et c'est ça. Et qui vivent que de ça. Ils se font pas soigner. Et puis ils deviennent bourreaux. Alors je veux pas excuser les pédophiles, loin de là. Mais voilà, c'est comme ça. Et moi je veux empêcher ça. Je veux empêcher ça parce que vous savez que moi, j'en suis la preuve vivante. C'est horrible de se faire violer. C'est déchirant, mais t'as souvent de la part des gens qui ont été condamnés ou des gens aussi qui ont été invités.
Il a dit tout à l'heure, mais il n'a pas précisé. Il a parlé de 9. Je crois qu'on a, après, si vous voulez, on en parle en privé. Et je vous dirai toujours la même chose que je dirais éventuellement, c'est que je n'ai aucun droit aujourd'hui de dire des choses qui étaient jugées. C'était jugé, point, il faut faire avec. Ça fait mal pour moi, en tant qu'ancienne victime, ça fait très mal de ne pas dire à vous tous qui est la société ici en France, de dire, voilà, les personnes c'est tel. Je n'ai pas le droit de le faire. Voilà. Je demande pardon. Non. Voilà, parce que... Là, le coincement de votre question est que, heureusement, que j'ai dû faire des plateaux télé, etc., parce que sinon, elle m'a tant coincé. Si maintenant, je vous dis oui, par exemple, c'est un exemple, hein, oui, il y a des gens, quand ils étaient acquittés, oui, qui m'ont violé. Il y a diffamation. Vous comprenez? Je peux dire oui, les quatre condamnés, oui, ils m'ont fait du mal, d'accord? Mais je n'ai aucun droit de vous dire si... ces gens qui sont acquittés. Ils sont reconnus comme victimes. Ouais. C'est bien ça. Officiellement. Ouais. Donc, à partir de ça, je n'arrive pas à comprendre comment, si j'étais monsieur, victime, moi non plus, je ne comprends pas. Mais pourquoi on ne te croit pas vis-à-vis des autres personnes? C'est une des folies qu'un procès nous trompe. Voilà. C'est ça qui, je comprends. Il n'y a eu que 4 condamnés, alors que Shérif D, dans son livre, y compris, je le dis, il y a 9 adultes qui m'ont violé. Donc, faut faire le calcul, monsieur. Faut se faire le calcul. Il y en a 5 qui sont. Son frère Dimitri, je l'ai écrit dans mon blog et dans mon livre. Il m'a compté le nombre des personnes. Il m'a dit j'ai été violé par 11 adultes. Il n'y a eu que 4 condamnés. Faites les comptes. 11 moins 4, ça en fait combien? 7. Parce que il y a un petit problème. Mais la chance. Bonjour à toi. Bonjour. Est-ce que tu as eu des contacts? Est-ce que tu as encore contact avec le juge Bureau? Je l'ai eu une fois par rapport au documentaire où il m'a remercié et il m'a dit quand j'ai lu ton livre en disant qu'il ne voulait pas pendant un an parler par rapport à ce qui s'est passé. Quand il a lu mon livre, il m'a appelé en me disant tu m'as convaincu, je vais expliquer à la France que moi j'ai bien fait mon travail. Parce que vous savez, le juge Burgot, il a écrit une lettre et il l'a mis dans son coffre en disant je ne suis pas suicidaire et j'ai pas envie de mourir. Mm-hmm. Vous savez pourquoi, voilà, vous avez compris pourquoi. Voilà. On l'a saccagé, on l'a humilié, on l'a traité. On l'a... Oui, alors je voudrais vous rassurer, le juge Burgot, il est tel qu'on le voit dans le film. C'est un homme qui n'aime pas la caméra, qui fuit la médiatisation, mais c'est un magistrat qui croit dans le droit, qui fait son métier avec une conscience professionnelle assez exceptionnelle. Moi, j'ai pas une très bonne opinion des magistrats en général. Bon, mais c'est pas moi qui le dis. Lorsque vous avez l'ancien garde des Sceaux, Pascal Clément, qui dit. Le juge Burgot, on n'avait rien à lui reprocher. Mais je l'ai quand même envoyé devant le Conseil supérieur de la magistrature parce que l'opinion publique n'aurait pas compris. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre, l'ancien ministre. Donc là, il y a un véritable problème qui se pose. Je peux même dire, ce n'est pas dans le film, mais que lorsque le ministre a demandé une enquête des services judiciaires sur le travail du juge Burgot, les enquêteurs... ont épluché le dossier d'Outreau qui fait quand même ces 30 000 documents, tout le dossier d'Outreau. Mais ils ont également épluché les 120 autres dossiers que Burgot instruisait en même temps, parce que ça, on ne le dit pas, on tape sur Burgot, mais tous les juges d'instruction sont dans la même situation, ils sont surchargés de travail, et Burgot n'a pas été aidé au début, il a dû tout faire en même temps. Eh bien, ils n'ont pas trouvé la moindre erreur de procédure. Et alors ça, je dois dire chapeau, parce que c'est exceptionnel. Non, voilà, moi, Burgot, je ne le connaissais pas, puis j'avais ni antipathie, ni sympathie. Quand même, j'avais une relative sympathie, parce que je n'aime pas le lynchage. Et cet homme a été livré comme un bouc émissaire, il a été lynché médiatiquement, et tout lynchage est une injustice en soi. Donc voilà, il y avait peut-être cette a priori,
Mais ensuite, voilà, si Burgot avait commis des erreurs, j'aurais dit Burgot a commis des erreurs. Mais ça n'a pas été le cas. Alors, ça amène à s'interroger. Pourquoi cet acharnement? Pourquoi est-ce qu'on l'a livré comme ça à l'opinion publique? C'est ignoble. Franchement, c'est ignoble. Il est encore vivant. C'est tant mieux. Mais qu'est-ce qu'on aurait sur la conscience s'il avait choisi de se suicider? Parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'est arrivé que des magistrats mis en cause dans leur travail se tirent une balle dans la tête. Hein, des nouvelles de tes frères? Alors, en ce moment, je suis avec je fais un petit combat avec mon petit frère. Mais avec Dimitri, il a fait son choix avec certaines personnes que j'intitule criminelles. Hein, et puis j'assumerai, de toute façon, je m'en fous. Mais voilà, c'est des criminels. Et lui, il a fait son choix. Vous savez, il est majeur. Je lui donne des conseils. Il ne veut pas les suivre, il ne les suit pas. Mais en tout cas, c'est difficile en ce moment, moi, avec mes frères, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, plus personne. Personne. Voilà. Ah, si. Alors, il y a quelque chose que vous avez trouvé ça scandaleux, surtout toi en tant qu'éducatrice. Vous savez, en ce moment, je me bats pour voir mon petit frère Dylan. Même encore maintenant, vous voyez, c'est difficile d'en parler. Ça fait 7 ans. 7 ans que je ne l'ai pas vu et qu'on m'interdit de le voir. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai fait des bêtises et j'ai fait des conneries. Et que je regrette beaucoup. Mais j'ai payé. J'ai fait des conneries de délinquance. Et que je regrette beaucoup aujourd'hui parce que bon, j'ai mûri. Et on me met encore cette étiquette. Que en fait je pourrais être toxique, voilà, ouais, le mot est simple, je peux être toxique pour mon frère parce que mon petit frère veut se suicider parce qu'il me voit pas et demande, il veut venir chez moi, et quand moi je demande pour le voir, on me dit que c'est pas possible, je limite si on me le passe au téléphone, où je peux pas l'entendre beaucoup, où il n'y a que le lundi, le jeudi où je peux l'avoir au téléphone et pas beaucoup de temps aussi, et en disant que j'en suis sûr et certain. Vous savez, quand on met le haut-parleur, il y a la voix qui résonne. Et ils le mettent sur le haut-parleur dès que je parle avec lui. Mes petits frères, donc Jonathan et Dimitri, ont le droit de le voir, médiatisé donc avec un éducateur pour le moment, mais moi je n'ai pas le droit aujourd'hui de le voir. Et je voulais le dire parce que ça me fait mal. Parce que ça fait... Il a 16 ans, il fait 1m65 et il fait 115 kilos. Donc vous voyez comment il souffre. Hein, comment il souffre. Il est abîmé, il n'arrive même plus à se regarder dans une glace. Il veut juste vivre chez moi. Et il n'y a personne du conseil général qui commence à comprendre. Mais on lui fait des promesses qu'au mois de septembre, qu'il va venir là où je vis. Et maintenant, ils lui ont dit que ça ne sera pas possible. Voilà. Parce qu'il voulait suicider, donc on lui a dit oui, voilà, tu iras au conseil général de là où il vit, shérif, mais tu iras peut-être des week-ends, petit à petit, tout doucement. Et puis il a commencé à aller mieux, et puis là on lui a dit, le conseil de famille, qui est maintenant, qui est la famille entre guillemets de Dylan, il refuse que je voie Dylan. Voilà. Alors, pourquoi? Ça, il faudra leur poser la question. Donc, moi, ça m'énerve un peu. Donc là, j'essaye de voir, j'en parle à mes avocats, on va essayer de voir ce qu'on peut faire, parce qu'ils n'ont aucun droit de faire ça. Hein, ils n'ont aucun droit de dire à mon petit frère de qui j'étais. C'est à moi de lui dire, et lui dire pourquoi je l'ai fait, et que je regrette en face de lui, et que je ne suis plus cette personne. Donc, voilà. Mais vous regrettez quoi? Parce que quand on souffre à un moment donné, ça arrive qu'on extériorise de façon... Mais je regrette de ce que j'ai fait parce que c'est pas bien. Vous savez, arracher un sac d'une vieille, la pauvre qui peut avoir des problèmes cardiaques, c'est honteux. Oui, mais c'est pas une excuse, madame. J'ai payé ma dette et je sais que c'est pas bien de ce que j'ai fait. Voilà, et j'ai payé ma dette et je sais que je le ferai plus jamais de ma vie. Bravo. C'est bien. Ça, c'est bien. Je vais laisser la parole à Jacques.
Est-ce que certains des accusés d'Outreau, je ne vise personne, ont été depuis inculpés ou accusés dans d'autres affaires de pédophilie? Il m'a semblé voir, il y a quelque temps, et c'est ça qui m'a interpellé, un couple qui était impliqué, qui avait eu mal à partir avec la justice. C'est le couple Lavier, le fameux couple Franck Lavier et Sandrine Lavier. D'accord. Donc, j'en parle, je leur consacre tout un chapitre. Alors qu'ils étaient acquittés, ce couple, justement, le jour même où j'ai assisté au colloque qui a déclenché mon enquête le 23 février 2011, le jour même, deux de leurs enfants, eux-mêmes, victimes à Outreau, est rendu. J'ai pas dit de leurs parents, puisque les parents étaient acquittés, et rendu donc aux deux acquittés, puisqu'ils avaient été acquittés, ont pris la fuite. Donc vous voyez, hein, 2011, fin de l'appel, décembre 2005. 6 ans après, prennent la fuite alors qu'ils avaient 10 ans. Ce qui veut dire que les enfants ont eu des problèmes alors qu'ils avaient 2 ans. Des abus sexuels. Ont pris leur petit sac, se sont sauvés les deux mains dans la main et ont parcouru à pied, depuis Outreau, 6 km. Depuis Outreau, non, depuis Boulogne. Depuis Boulogne, puisque le couple, vous avez vu, comme tout le monde avait reçu des centaines de milliers d'euros, donc ils avaient acheté une maison à Boulogne, donc le couple Lavier. Et ces deux enfants se sont sauvés, ont parcouru 5 km pour se rendre. Chez qui? Chez la dame qui les accueillait pendant que leurs parents étaient en détention provisoire avant les procès. Pourquoi, à votre avis, ils ont fait ça 6 km, des gosses de 10 ans? Comment ils ont trouvé la route? Eh bien, je suis allé au procès qui a eu lieu l'année après. Parce qu'ils ont été mis en examen pour maltraitance et corruption de mineurs de moins de 15 ans. J'ai senti qu'il allait se passer quelque chose. Et je suis resté pendant les 11 heures du procès. Il y a de quoi halluciner. On nous a montré des photos faites par le médecin légiste du petit garçon. Il avait les genoux. Bon, ça nous arrive tous de tomber, d'avoir des bosses quand on est gamin. Ils avaient les genoux carrément des hématomes, des boules, comme des boules de, plus grosses que des boules de tennis, sur les jambes, à gauche, à droite. Voilà la photo couleur. Vous savez pourquoi? Parce qu'on l'obligeait à passer des heures, voire des jours d'affilée, à genoux, sur un manche à balai. Oui, mais ça vous choque. Est-ce que je puis oser dire que c'est des bricoles par rapport à ce qu'on trouve dans les affaires d'Outreau, en matière de crime, de sexuel, dans bien d'autres affaires. La petite fille, j'ai vu moi aussi la photo, où le couple Lavier l'a photographié avec sa petite culotte remplie d'excréments posée sur sa tête, à la petite fille. Et ainsi de suite. Ensuite, on a vu un film, Corruption mineure de 15 ans, où toute l'équipe, le couple Lavier, le frère, la belle-sœur, enfin, etc., des copains, sont tous à moitié nus, avec de la bière, avec de l'alcool, en train de danser la rumba dans leur maison, devant une caméra qu'il faut tourner. On voit certaines des femmes acquittées en train de se... Excusez-moi, mais on est dans la réalité, là, de l'horreur, en train de s'amuser avec une bouteille d'alcool qu'elles promènent entre leurs deux seins. On en voit deux hommes qui s'embrassent sur la bouche, etc., en faisant imitant des cris, etc. Et tout ça, il n'y a pas de problème. Si ça les amuse, si c'est leur distraction, puisqu'ils travaillent, ils n'ont jamais travaillé, ces gens-là. En plus, ils ont touché le pactole, j'allais dire, le rognon. Si vous voulez, etc., il n'y a aucun problème. Le seul problème, c'est qu'il y avait des petits gamins, des bambins de 2, 3, 4 ans qui couraient, on les voit devant la caméra, qui criaient papa, maman, tonton, etc. Et eux, ils sont en train de faire leurs gestes, etc. Résultat des courses,
compte tenu du... Et là, on voit une fois de plus là, l'énormité de la pression du phénomène outre maintenant pour les pauvres enfants et les mères qui dénoncent les crimes. Le couple a été condamné à seulement 8 mois de prison avec sursis. Et les poursuites, la mise en examen pour corruption de mineurs a sauté. Elle a été levée, donc il n'y a pas eu de condamnation pour ça. J'imagine que si l'un d'entre vous, moi-même, on nous filme, on nous inculpe, enfin on dit plus inculpé, mais enfin c'est plus rapide, pour avoir fait des choses pareilles devant des mineurs, je ne pense pas qu'on va s'en tirer avec une levée de l'accusation. Hein. J'ai une petite Géraldine avait avoué à la police avoir été violée par 20 personnes, par 20 adultes ou adolescents, mais surtout des adultes. Bon, tenez-vous bien, comme ça se passait après le dénouement terrible d'Outreau, et ça je le relate parce que c'est écrit dans les auditions, le juge explique ce qui s'est passé, ou les témoins, le policier confie au juge que la substitut du procureur a décidé de retarder l'enquête, etc. Et au final, après 8 ou 10 auditions de l'enfant, au bout de 2 ans qu'on a laissé traîner, tout ça s'est traduit par un non-lieu, c'est-à-dire qu'aucun des violeurs accusés par la fille n'ont été ni même mis en examen, vous vous rendez compte, ni même accusés, et donc encore moins condamnés ou libérés. Enfin, il n'y a même pas eu d'enquête. Ce qui est terrible, c'est qu'à la fin, ils l'ont tellement embêté qu'au bout de 8 auditions, au bout de 2 ans, elle a dit « Bon, maintenant j'en ai assez, je vous dis que je ne condamne plus que, je dénonce plus que 3 personnes. » Et parmi les 3 personnes, alors, son père qui est mort en prison, puisque c'est la fille de François Bourmand, celui qui est mort en prison d'un excès de médicaments. Il y avait aussi mon oncle Polo qui venait de mourir. Cet oncle Polo avait déjà purgé 15 ans de prison pour d'autres viols. Hein, vous voyez un petit peu dans quel milieu on se trouve. Et le troisième, elle disait, il y a le compagnon de la femme Foucrolles. Vous croyez que le juge d'instruction, que le procureur qui n'a jamais donné un juge d'instruction, s'est donné la peine de chercher qui était ce type? Or, ce type, c'est pas difficile. En 3 minutes, il pouvait savoir en téléphonant au juge Burgot, c'est l'un des acquittés d'Outreau. Et on sait tous qu'il est, qu'il a été, qu'il était le compagnon de cette dame. Vous voyez, et un non-lieu a été rendu. Et s'est acquitté d'Outreau, un autre jouit d'une totale liberté après avoir reçu 300 ou 500 000 euros. Je suis désolé de vous empiler tout ça, je sais très bien. Je regrette. Un autre point important, 3 des acquittés que vous avez vus, Sabine Champagne à l'Élysée avec Dominique de Villepin, 3 des adultes avaient avoué leur forfait. 3 des adultes avaient avoué leur forfait. C'est la vieille, un jour, qui a dit à un policier ou au juge Burgot, mais c'est dans mon livre, je cite la page, le numéro de la côte. Oui, un jour, j'ai vu l'un des enfants chez les Delay qui se faisait violer avec l'échelle de pompier d'un jouet. D'un jouet, vous savez, des petits jouets d'une voiture de pompier. Vous appelez ça comment, vous? C'est pas un aveu? Il a jamais dénoncé. Il l'a dit seulement une fois que l'enquête a été lancée. C'est une non-dénonciation de crime. Voir un enfant se faire enfiler une échelle de pompier d'un jouet dans l'anus et pas le dénoncer, je le dis dans mon livre. Je peux vous garantir qu'il ne va pas me poursuivre, lui. Parce que c'est la réalité. Un autre avait avoué, Daniel le grand-fils, parce qu'il a dit aussi l'histoire qu'il avait violée, etc., devant le... Et puis comme il y a eu le fatra d'Outreau, il a fait partie des acquittés. Hein? Il a avoué à multiples reprises, y compris devant un psychiatre. Je crois que le psychiatre, on vous en parle dans le film. Et le troisième qui a avoué, il y en a un qui peut deviner, qui avait avoué. Vous avez entendu parler? Non, puisque la personne n'a jamais parlé. Mais c'est énorme. Qui est-ce qui a avoué le troisième et qui a été acquitté?
l'huissier Maréco, lorsqu'il est passé devant les assises à huis clos, les yeux dans les yeux devant l'un de ses petits-enfants, qui n'a jamais cessé de le dénoncer devant les juges, les policiers. Il a dit devant le tribunal des assises à huis clos, « Oui, je suis coupable, mais à l'époque, je ne savais pas ce que je faisais. » Qu'a fait le président Monnier, celui qui prenait du Tranxel ? Oui, il prenait du Tranxel, j'ai mes sources. Tellement il ne supportait pas, il n'arrivait pas à tenir les troupes aux assises. Aux assises, voilà. Il fallait convoquer immédiatement Moretti, Berton, là, le jeune, dès qu'ils insultaient un enfant pour leur mettre un avertissement. Hein. Il ne l'a pas fait. C'est ce qui est scandaleux. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, le président du tribunal, Monnier ? Il dit, oui, mais je n'ai pas jugé bon d'acter cet aveu, parce que je l'ai pris pour le compte de l'émotion, etc. Vous vous rendez compte ? Si le président avait acté, immédiatement, l'affaire était rouverte contre l'huissier Maréco. Ce même issue qui se permet ensuite de faire un film qui est un tissu de mensonges sur ce qui s'est passé dans l'affaire. Film où sont venus de hauts magistrats applaudir le... Vous vous rendez compte, pour des raisons que j'ignore, que je vous laisse imaginer. Donc, à ta question, pour se limiter à outre, c'est vrai que il y a eu tellement de noms cités, il y a eu tellement de preuves apportées. Vous avez entendu le film, vous avez vu le film où les propres accusés se sont accusés avant les acquittements, ils se sont accusés, donc il s'est bien passé quelque chose. Donc il y avait quand même des gens importants, un huissier, un prêtre, et c'est vrai que les autres c'était plutôt le quart monde, hein. Mais il est certain quand même qu'il y avait de... Mais on n'en sait pas plus s'il y a eu d'autres personnes de haut rang parmi les clients, parce que l'argent, il circulait, c'est dit à longueur de page dans les auditions que j'ai lues. Hein. L'argent circulait, et comme ça a été très bien dit dans le film, et oublié par la presse une fois de plus, c'est qu'il y a bien eu des voyages en Belgique des enfants. Donc il y avait bien raison. Il y avait bien... écoutez, là, on peut l'appeler des raisons, parce que... Ah, mais attendez... Il y a l'affaire... Oui, vous avez raison. On peut dire, à la limite, qu'il y avait bien raison, puisqu'ils ont été condamnés, le couple Badawi et l'autre couple, non seulement pour viol, mais pour proxénétisme. Qui dit proxénète, dit client. Point final. Qui dit client, ça veut dire réseau. On peut pas dire autre chose. Maintenant, à quel niveau ça a été ? Mais en tout cas, ces enfants ont été en Belgique. Évidemment, la défense a dit « Ah oui, mais regardez, ils n'ont pas retrouvé la maison. » Vous imaginez un enfant, 5 ans après les faits, qui avait 4 ou 5 ans, va se rappeler l'endroit en Belgique où il a été. Mais on hallucine. Une chose très grave. 5 enfants... violé à outreau et donc indemnisé par l'État, hein, donc reconnu comme victime de viol. 5 enfants avaient avoué à l'époque que 5 autres mineurs avaient été tués par des adultes à outreau. Cette enquête, comme vous avez vu, donc l'histoire de la pelleteuse lors de la première révélation du fils Legrand, cette enquête a été totalement... éliminé du fait que on a considéré que c'était un mensonge, les pelleteuses n'ont rien trouvé. Mais il faut que vous sachiez qu'un juge, un autre juge a été nommé, a été désigné, parce que cette affaire des meurtres d'enfants a été disjointe de l'enquête menée par Fabrice Burgot. Or, et ça, bon, je ne vais pas entrer en détail, vous verrez dans le livre, mais tous les juges qui ont suivi le dossier par la suite, le parquet, la chancellerie, tout a été fait pour que rien ne soit
que l'enquête n'ait pas lieu. Il n'y a eu aucune confrontation, aucune audition nouvelle des cinq enfants, aucune confrontation avec les adultes qu'ils accusaient d'avoir tué des enfants. Hein. Et à la suite de ça, il y a eu un classement sans suite. J'ai demandé des comptes au juge concerné. Le juge concerné me dit qu'il ne se souvient pas, y compris de la date du non-lieu. Les maîtres des enfants, c'est gravissime. C'est sur cinq enfants différents. Le petit Jonathan Delay qui est maintenant, si vous avez vu mon blog, il est en photo avec moi Bourg-en-Bresse lors d'un débat précédent avec le film. Le petit Jonathan Delay, qui est le dernier des Delay majeurs, il a raconté à Madame Grison, peu de temps après que l'affaire a éclaté, ce qui s'est passé chez lui. Un gamin de cet âge, quel âge il avait ton frangin ce jour-là en 2001 hein, il avait 6 ans. Donc le crime avait été commis un an ou deux avant. Un gamin de 6 ans, c'est pas Gérard Depardieu, c'est pas un artiste de cinéma. 7 ans. Hein, il n'a pas préparé un show. Il est devant une personne officielle, dans un cabinet. Et qu'est-ce qu'il fait? La psychologue, elle sait, elle le laisse parler, elle ne l'induit pas. Ça, c'est la base, hein, justement. C'est pour ça que les experts ont une crédibilité. Il raconte l'enfant. Et ben voilà, il s'explique, ouais, bon, l'école, etc. Ben ça va. Et d'un seul coup, il dit, c'était terrible, un soir, il y avait une ouverture entre les lanières de mon lit, entre les lames de mon lit, du sommier. Et qu'est-ce que j'ai vu? Une petite fille, roulée dans un linoléum, elle ne bougeait plus. Et le lendemain matin, elle était toujours là. Et il s'est mis à trembler, en racontant ça. Vous pensez qu'un enfant, il fait du cinéma pour raconter ça? Et après, vous avez ces avocats que vous avez vus, et il leur dit, toi, t'es un menteur. Et que cette enquête sur les cinq enfants assassinés a été classée sans suite, sauf qu'il y a même une confrontation avec les personnes qui étaient citées comme les tueurs de ces enfants, parce qu'ils ont eu tous peur d'Outreau, ces juges, et ils ne sont pas poursuivis non plus, ces juges. Rien. Et maintenant, à ce propos, il y a aussi son frère Dimitri. C'est un enfant un bébé qui a été tué de 2 ans, balancé à coups de... Excusez-moi, les jeunes filles, non, mais balancées contre un radiateur, et tuées contre un radiateur. Et maintenant, il y en a un autre, mais je le souhaite, s'il le souhaite, je suggère que Chéri vienne vous expliquer l'un des autres meurtres d'enfants. Est-ce que tu es d'accord? Mais je veux rester ainsi. Bon. J'en ai parlé sur mon blog en décembre dernier. En 98... J'ai fait la plus grosse erreur humaine. J'ai été forcé de tuer une petite fille. De mes mains avec une pioche. Si je le faisais pas, je mourrais mes petits frères. C'est la parole de mon beau-père. Je la tue ou je te tue, je tue tes petits frères. J'ai fermé les yeux. J'ai mis des coups. Ce que j'ai ressenti, c'est que j'ai rigolé quand le sang est venu sur ma tête. Et j'ai continué. J'ai donné des coups de pioche. Et j'ai rigolé. Et je criais en rigolant. C'est pas être fou. C'est mon psychiatre, il dit que c'est un rire nerveux. C'est une crise de panique. Je me demandais quand ça va s'arrêter. Des fois, le soir, avant que je me couche, j'entends des paroles. Et je vois encore cette petite fille à côté de moi qui me demande de jouer avec. Et directement, il y a du sang qui coule de sa bouche. Il y a tout qui s'ouvre. J'ai dit à mon psychiatre, je suis fou, ouais, docteur.
Imaginez. T'avais 8 ans. J'avais 8. J'étais plus âgé. Un petit peu plus âgé. J'avais des petites couettes. J'ai fait une déposition à la police parce que je me bats pour les enfants. Que les salopards sont présents. En septembre 2012. Laisse-moi parler. Oui, oui, précise. La gendarmerie, j'ai fait une déposition. Et j'ai avoué le meurtre. Il y a une enquête qui a été ouverte. Quand l'enquête a été ouverte, je crois bien c'était en 2013, janvier 2013, je suis reparti à la police. Et là-dessus, j'ai pas le droit de vous le dire. Je suis interdit de vous le dire. Ce qui s'est passé, c'est que la plaque est enlevée. Je l'ai enlevée. J'ai pas le droit de vous dire pourquoi. Voilà. Merci. Je lui ai demandé au préalable s'il était d'accord pour en parler. J'en avais parlé sur mon blog à l'époque. Et à force d'insister, la substitut du prof de Boulogne m'a répondu « Oui, monsieur Thomé, nous ouvrons une information judiciaire, une enquête préliminaire. » Et puis, quelques mois après, on a appris que s'était rien passé, qu'il n'y avait pas de lieu à poursuivre l'enquête, et qu'il n'y avait pas de... qu'à l'époque, il n'y avait pas eu d'enfant disparu, alors que moi, dans mon livre, je le répète, il y avait, selon Interpol, cet enfant qui avait disparu. Mais je ne peux pas vous en dire plus, parce que, bon, on va passer le temps, il a été amené à retirer sa déposition, même si à la fin, il dit, et ça je ne comprends pas, je crois qu'il m'autorise à le dire, parce que je l'ai mis sur mon blog, tout en tirant sa déposition, il a écrit la fin. Je prie tous les jours pour toi qui es au ciel. Voilà. Vous avez deux personnes qu'il a accusées avec son père criminel qui est en prison encore, qui sont aujourd'hui en liberté, qui ont servi le champagne à l'Élysée avec M. Delic. Vous avez des questions? Parce que j'ai beaucoup de choses à vous signaler. Non, je ne peux pas le dire. On ne peut pas le dire. Vous pouvez imaginer, mais je ne peux pas le dire. On le saura certainement un jour. Enfin, bon, je ne veux pas être plus long. Il y a une affaire qui pourrait justement faire retomber et faire rebondir Outreau. C'est que l'un des acquittés, qui s'appelle Daniel Legrand, fils, dont le père Daniel Legrand a été lui aussi acquitté, mais qui est décédé en l'an dernier, je crois. Le fils Daniel Legrand, lui, n'a jamais été jugé par la cour d'assises des mineurs pour les accusations dont il a été l'objet lorsqu'il était lui-même mineur. Mais, compte tenu de tout l'influence politique qu'a eu ce procès dont vous avez parlé, le président Gaston notamment, compte tenu de cette pression terrible, eh bien finalement, depuis 2005, nous sommes en 2013, les assises des mineurs pour ce monsieur n'ont toujours pas eu lieu, et il y a une mobilisation en cours de la part de partis civils, parce que apparemment il y aura prescription aux alentours d'octobre prochain. C'est-à-dire que s'il n'y a aucun procès d'assises pour ce monsieur à la Cour des mineurs qui a lieu, après octobre 2013, ça sera terminé, il ne sera plus jamais jugé. Je ne dis pas, attention, qu'il est coupable, mais c'est simplement pour vous traduire la gravité de tous ces éléments dans le dossier d'Outreau. Puisqu'un accusé n'a même pas été jugé 8 ans après. Daniel Legrand, rejugé aux assises des mineurs pour des faits pour lesquels il a été acquitté comme majeur. C'est difficilement compréhensible, mais c'est ainsi que ressurgit la pénible affaire d'Outreau, un petit bout d'affaire qu'on croyait définitivement soldé. Daniel Legrand était le plus jeune des accusés d'Outreau. Les accusations contre lui portaient sur la période 97-99, avant sa majorité. Daniel Legrand serait donc peut-être coupable avant ses 18 ans, innocent après.
Moi, je lui ai dit il y a 6 ans de cela que cette affaire était terminée parce que le parquet général nous l'avait dit. Et puis au final, eh bien maintenant, qu'est-ce que je dois lui apprendre ? Qu'il faut y retourner, qu'il y aura un nouveau procès, qu'il y aura tout le monde, qu'il y aura tous les innocentés d'Outreau, le juge Burgot, qu'il faut refaire le match, refaire la partie. Et pourquoi ? Et surtout pourquoi ? Pour quelle vérité ? Aucun des enfants pour lesquels Daniel Legrand avait été à l'époque renvoyé ne l'avait mis en cause. Aucun enfant ne l'avait mis en cause. Quand les derniers accusés d'Outreau sont acquittés en 2005, le cas de Daniel Legrand est tranché. Majeur ou mineur, peu importe, la justice laisse tomber. C'était sans compter sur une association parisienne d'aide à l'enfance qui réclame un nouveau procès. La préoccupation de l'association Innocence en danger étant la régression vraiment très importante des droits des enfants depuis l'affaire Outreau, nous nous sommes particulièrement intéressés à ce dossier et nous avons constaté qu'effectivement, une partie du dossier n'avait pas été jugée. Peut-être que sur cette partie-là et sur ces faits-là, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose d'autre. Et ça serait peut-être intéressant que la justice se penche dessus. Si procès il y a, il serait dépaysé, loin de Douai, loin de chez nous, s'il vous plaît, ironise l'avocat de Daniel Legrand, qui regrette le manque de courage de la justice. Son cas est exemplaire, c'est pour ça que je suis ravi qu'elle soit venue et qu'elle souhaite parler, parce que son cas illustre, c'est le premier cas que je cite dans mon bouquin, hein, Sandrine. Je ne cite pas de nom, parce que comme il y a l'action judiciaire, il faut quand même éviter, comme j'ai déjà dit, les éventuelles poursuites. Donc si tu peux, Sandrine, résumer. On va essayer de résumer. Donc j'avais une première fille en 2000 qui avait 4 ans. Je vais parler un peu plus fort. Oui, excusez-moi. Donc j'avais une première fille qui est ici présente, donc la première victime en fait. Lorsque j'ai rencontré mon compagnon, elle n'avait que 4 ans, enfin 3 ans et demi à peu près. Donc elle s'est confiée tout d'abord à sa grand-mère maternelle. Je vivais avec son bourreau, donc forcément ce n'est pas à moi qu'elle a parlé. Et tout s'est mis en place. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans une institution, quand on a été formaté par cette institution, forcément, à qui on croit le premier, c'est la justice, les services sociaux, la gendarmerie, mais tout ce petit système auquel on est formaté depuis qu'on est dans l'éducation nationale, depuis qu'on écoute les informations, qu'on écoute nos présidents, nos chefs, etc. Donc je n'ai pas entendu ma fille. Donc là, j'ai été considérée par la justice comme un petit ange blanc, voilà, non pas défenseur d'une enfant victime, mais défenseur d'un prédateur. Donc j'ai fait le choix, moi, d'entendre la justice et de penser qu'elle n'était pas victime et que tout ceci n'existait pas. Donc j'ai fait 2 autres enfants à cet homme-là, un garçon, une fille. Un garçon qui a été la grande joie de cet homme parce que il allait pouvoir transmettre quelque chose. Et puis une petite fille avait encore sa nouvelle joie parce qu'elle allait subir exactement les mêmes faits que sa sœur aînée. Voilà. Donc moi j'ai découvert ça en 2007 avec stupeur, où je douche ma fille, je la sors, je la mets dans sa chambre, je lui tourne le dos pour prendre un pyjama dans son armoire. Et là, je le vois commettre un acte assez surprenant où elle essayait de tenter pour moi d'introduire un doigt dans son sexe. Donc là, je lui demande pourquoi tu fais ça. Donc on aurait dit qu'elle avait fait mal. Alors je lui demandais très gentiment. Et elle me dit, mais c'est papa qui fait ça. Donc là, je prenais la claque de ma vie. Ça faisait 7 ans que j'étais dans l'ignorance, 7 ans que j'avais cru la justice, que j'avais cru les services sociaux, que j'avais cru les services de gendarmerie. Sur ces faits avec son petit frère qui me dit, mais oui, c'est vrai, moi je l'ai vu faire, à pleurer. Et qui était là, ops, elle s'est renfermée dans sa chambre, on n'en a plus entendu parler. La fiche que vous voyez là, c'est précisément ce que sont les enfants victimes aujourd'hui. Ils sont totalement effacés, on ne les voit pas. Et ça, c'est le mot silence. C'est ce que veut la société aujourd'hui, c'est qu'on se taise. Ça, c'est demandé par les ministres, c'est demandé par nos présidents de la République successifs, c'est demandé par certains services sociaux, je ne dis pas tous, hein, mais certains, c'est demandé par les services de l'ordre, en grand nombre. Parce que moi, depuis, ben, je paie le prix, mais ceux qui en paient le plus grand prix, ce sont les enfants. Hein. Donc en 2007, qu'est-ce que je fais lorsque ma fille me dit ça? Là où enfin j'ouvre les yeux et je me dis, je me suis fait tronquer par tout ce système. Ben, je demande le divorce, j'essaye de porter plainte au plus vite, et là, on m'empêche de porter plainte dans les temps. Donc le divorce prend le dessus. Donc comme beaucoup de cas, vous entendrez dans les journaux, ben, c'est une séparation conflictuelle, le parent invente ceci pour avoir ses enfants.
Moi, j'ai tout perdu dans ces histoires. J'ai perdu mon travail, je travaille dans l'éducation nationale. J'ai perdu ma maison. Mais avant tout, j'ai perdu mes 3 enfants. J'ai été menacée par un magistrat qui a été JAF successivement dans mon histoire, puis JE. Il faut savoir qu'un magistrat ne doit tenir qu'une seule et unique position dans les affaires. Là, non, elle a eu les deux. Et elle m'a menacée verbalement, alors que je n'étais pas accompagnée d'un avocat. Je m'occupais personnellement du cas. Pourquoi ? Parce qu'à ce jour, elle se porte de nouveau partie civile. Elle a eu 4 fois des classements sans suite dans 4 départements différents. Et mon fils, lui, a vu. Lui peut raconter. Lui n'a pas peur, il n'a pas subi. Uniquement les filles ont subi. Donc lui, il parle. Et il parle encore et encore, jusqu'à ce qu'on me les arrache. Il parle encore. Et que disent les magistrats ? Ce qu'il a pu entendre. Alors que ces mots sont très précis dans le procès verbal. J'ai peur pour ma sœur, je sais ce qu'il lui a fait. Donc il parle de sa sœur jumelle. Je n'ai pas peur pour moi, je ne sais pas. Il hésite encore, puis il dit, je ne sais pas ce qu'il pourrait me faire. Pour le faire taire, les services sociaux ont fait décaloter mon fils alors qu'il n'avait aucun souci pour qu'il se taise définitivement, ce qu'il a dû prendre exactement comme un viol. Lorsque j'ai vu mes enfants une fois par mois, 90 minutes encadrées de 2 éducatrices, voraces, à 50 cm de nous, on ne pouvait pas se parler. Je peux vous dire que mon fils, il a fallu qu'il fasse cogiter sa petite tête de 7 à 9 ans pour essayer de me faire passer des petits messages que je ne comprenais pas forcément de suite. Donc j'ai été jugée, moi, pour non-représentation d'enfants, à 12 mois de prison, dont un ferme, alors que j'en ai fait 2. Nous avons été menacés de mort par cet homme-là, par sa famille, par sa nouvelle compagne, parce que nous avions dénoncé les faits. J'ai fait intervenir la gendarmerie, j'ai écrit à tous les magistrats concernés par notre affaire, que ce soit des JAF, des JE, etc. Personne n'a réagi. J'ai été interpellée par la gendarmerie une première fois pour qu'on me demande pourquoi j'étais partie, alors que je leur avais dit je pars parce que mes enfants sont en danger, nous avons été menacés de mort devant témoins. Il est impossible de récupérer ces plaintes dans son intégralité, il y avait des témoins qui sont venus à la gendarmerie, qui ont déposé, etc. Et on a placé les jumeaux, uniquement les jumeaux parce qu'il n'est pas le père de... Moi, j'ai pris la fuite parce qu'il me fallait absolument protéger ces 3 enfants. Je dis bien ces 3 parce qu'ils sont menacés tous les 3. Tu veux t'asseoir ? Non, ça va. Ils sont menacés tous les 3, mais je ne me suis pas cachée. J'ai utilisé ma carte bleue, j'ai utilisé mon téléphone. J'étais dans ma propre voiture, donc à tout moment, je pouvais être interpellée. J'ai croisé les gendarmes quasiment tous les 2-3 jours. Je veux dire, comme tout le monde, quand vous prenez votre véhicule, dès qu'il fait beau, vous envoyez au coin d'un rond-point, etc. Nous n'avons jamais été arrêtés. J'ai été arrêtée 3 jours avant l'anniversaire de ma fille. Je l'avais confiée en fait à ma sœur pour qu'elle puisse être scolarisée. Moi, j'avais demandé de scolariser moi-même mes enfants, donc c'est moi qui leur faisais l'école, j'en avais les capacités. Et on m'a reproché d'avoir déscolarisé mes enfants, de les avoir désocialisés, de les avoir séquestrés, sans aucune preuve matérielle, aucune. Donc j'ai été arrêtée donc 3 jours avant l'anniversaire de à quelques jours de Noël. Et lorsque je suis tombée devant le juge d'instruction, c'était en fait le juge d'instruction qui avait classé l'affaire de ma petite fille un non-lieu. Non pas sur le motif comme quoi il n'y avait... Monsieur est innocent, absolument pas. Pour absence de preuves, non plus. Pour insuffisance de preuves. Donc insuffisance de preuves, ça veut dire qu'en fait le dossier il est confié au greffier qui peut être ouvert à n'importe quel moment. Donc il nous faut des faits nouveaux. Des faits nouveaux, seuls les enfants les détiennent. Mais pour entendre leurs paroles, ça, c'est une autre affaire. Donc on m'a arrêté, on m'a demandé de livrer mes enfants. Je leur ai dit non. Vous refusez de livrer vos enfants, eh bien, on va vous mettre en prison. Pas de souci, si c'est prêt à payer, moi je suis une maman, je protège mes enfants, pas de souci. Ils m'ont laissé 2 mois dans cette prison, où ma fille m'a écrit un petit courrier de quelques lignes, je crois que je te l'ai donné, Jacques, où elle dit ce qu'elle a subi, qu'elle a été violée, frappée, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a, elle, subi. Mais c'est pas grave, les juges d'instruction, ils n'écoutent pas. Et ils sont allés chercher mes enfants qu'ils savaient depuis le début où ils se trouvaient. Donc pour ce, j'ai été jugée. J'ai payé ma dette vis-à-vis de la société, puisque c'est ainsi qu'on est jugé. J'ai écouté très, très attentivement tout à l'heure, shérif. Il a été puni parce qu'aujourd'hui,
il veut parler. Donc on le met en prison, on le traite de fou. On passe des expertises de cesse. J'en ai passé 4. Les 3, j'étais une bonne mère. Aussi longtemps que mes enfants étaient entre mes mains. Aussitôt qu'on me les a enlevés, j'étais une mauvaise mère, bonne à renfermer, qui devrait prendre des médicaments, qui devrait être suivie régulièrement. Mais quelle maman à qui on arrache des enfants de cette manière-là? Je ne les ai pas vus pendant 6 mois depuis mon arrestation. Ensuite, on vous les montre 90 minutes, sachant qu'on vous laisse poireauter 15 minutes le temps qu'on vous les mène. On vient vous les chercher 15 minutes avant pour qu'ils soient à l'heure. Donc, total, vos 90 minutes se réduisent à 60 minutes mensuelles. Et quelles 60 minutes, c'était un supplice que de les vivre. Très honnêtement, j'aurais préféré qu'ils n'existent jamais. Mais au moins, je savais ce qu'ils vivaient. Et le 21 juin, donc, ce que disait Jacques, c'est qu'on m'octroie 2 heures mensuelles de les voir, et enfin, on les confie au bourreau. Voilà. Après un placement de 18 mois dans un lieu de vie, dans des conditions, je suis désolée, hein, mais vraiment pas très très bonnes, c'était très dur de voir ça. Aujourd'hui, je les revois après moult et moult démarches auprès de la justice qui ferme les oreilles, auprès des ministères, auprès de Hollande, tous les jours, au quotidien, j'écris à cet homme-là. Pour l'instant, son... Dans son bureau, le seul qui me répond, c'est son conseiller juridique. Je n'ai pas eu le même chemin avec Sarkozy, mais il m'a répondu immédiatement. Je demande une audience, comme le fait shérif, pour tous les enfants. Parce qu'aujourd'hui, mon combat n'est pas que pour mes enfants. Puis très honnêtement, j'essaie de continuer à tenir le coup et d'essayer de les sortir de là, mais je n'y crois plus vraiment. Donc la seule manière, pour moi, la seule solution qu'il reste, c'est d'entrer dans la cour des grands. Et la cour des grands, ben c'est, je me suis inscrite en faculté de droit, j'ai 42 ans, et j'espère pouvoir trouver le pilon, voilà. Parce que les associations, ça marche pas. Les services sociaux, ça marche pas. La gendarmerie, la police, ça marche pas. Le ministre, ça marche pas non plus. Voilà, moi, dans mon affaire, j'ai été face à un juge d'instruction ignoble, qui est le juge d'instruction de la autant dire que leur comportement face à moi n'est pas rien. Vous parliez tout à l'heure des avocats. Les avocats, faut pas croire, ils sont pas là pour vous aider. Hein. C'est financier, c'est un business. Moi, je me suis représentée à beaucoup de d'instructions, etc., mais sans avocat, par choix, parce que financièrement, ben, on ne suit plus, parce qu'on vous a détruit. Moi, j'ai tout perdu, je vous dis. Aujourd'hui, ben, sans les proches, sans la famille, ben, je suis sans domicile fixe. Quoi. Je suis au même. Ce qu'on a fait aux enfants d'Outreau, c'est aujourd'hui, on en paye les répercussions en tant que parent protecteur, qu'on soit mère, père, grand-mère, grand-père, etc. Voilà. Ce qui est assez étrange entre ce que me dit le juge d'instruction et ce que me raconte Aramis, enfin, donc, c'est une association qui est prestataire de services, qui, selon le juge d'instruction, serait en fait dépendante du ministère de la Justice. Ça sera à vérifier. Lorsque vous avez Aramis au téléphone, on vous dit qu'eux dépendent de l'ASE, donc ils ne prennent aucune décision, mais ils ne reçoivent pas assez de subventions pour pouvoir mettre en place ces visites médiatisées ou autres, parce qu'ils ont énormément de fonctions. Donc on demande 26 euros par enfant, non, par rencontre et par parent, voilà. Donc moi j'ai été condamnée à payer l'intégralité, pour l'instant on ne me demande que la moitié, parce que dans certains cas effectivement c'est partagé entre les deux parents. Aramis considère que les parents sont responsables du fait que les enfants aillent dans un lieu médiatisé. Là il faut savoir quand même que ce sont les services sociaux qui ont demandé ça, le prolongement. C'est monsieur qui a demandé une assistance éducative en milieu ouvert, parce qu'il ne se sent pas à la hauteur d'élever ses enfants. C'est quand même lui qui le dit, et malgré tout ben, on les lui confie. Ils auront 10 ans là, au mois de juin. Donc ils peuvent s'exprimer quand même, ce qu'ils disent. Non, il est sûr que non. Je vous dis ça là. C'est ce qu'on leur impose. 18 mois en lieu de vie. C'est pourquoi on leur impose ceci. Hein. Mm-hmm. Vous savez, un magistrat qui vous menace, on va s'occuper de personne. Je vais m'occuper de personne. Je voudrais préciser une chose. Comme son cas est exemplaire, chaque fois qu'il y a un événement, j'en parlerai. Là. L'histoire de ce paiement d'argent pour voir ses enfants 2 heures une fois par mois, hein, déjà il y a un privé, en plus il faut qu'elle paye pour les voir. Elle m'écrit, elle me dit, je considère ça de la prostitution institutionnelle. Mais tu peux l'écrire si tu veux. Ouais. Une heure après, j'avais écrit son histoire en employant ses termes. J'ai envoyé ça.
à tous les gens de la grande presse que je connais. Donc, je vais vous citer Le Monde, Le Point, Le Parisien, Le Nouvel Observateur, La Dépêche, Mediapart. Bon, à votre avis, qui est-ce qui m'a répondu? Mediapart. Personne. Personne. C'est pas parce qu'on va être 1000 dans cette salle que ça va être super mieux qu'à Nice, hein, aujourd'hui, ou hier à Toulon, ils étaient 19. Eh bien, je peux vous dire que depuis hier, on est totalement ébranlé parce que grâce à la présence d'un médecin légiste, on a appris, parce que nous, c'est toujours le plus... Vous savez que dans la majorité des cas de viol sur enfant, les juges, pour justifier l'absence de poursuite contre un père incestueux ou un oncle ou un grand-père, invoquent l'absence de preuves irréfutables. Parce que si le médecin dit on a l'impression qu'il pourrait y avoir eu, mais on n'est pas sûr que les lésions anales ont pu être provoquées par des constipations répétées, ce qui peut arriver chez un enfant, mais c'est extrêmement quand même rare. Hein. Il nous apprend qu'il y a un instrument, une exploration qui s'appelle l'anuscopie, c'est-à-dire scopie, hein, vision de l'anus, avec un engin qu'on introduit dans l'anus. Et il nous dit, mais bon, ça c'est très précis. Pourquoi? Parce que une vision, y compris qu'un appareil photo en écartant les fesses de l'enfant, ne va montrer que la dimension, éventuellement, quelques lésions rapprochées, mais le moyen sûr, et là c'est une révélation, vous êtes, je n'ai même pas eu le temps encore d'en parler sur mon blog, et ça va faire mal, si tant est que tout ça est bien confirmé, etc. Mais apparemment oui, parce que j'ai lu des documents, que cette opération nécessite une anesthésie, la même que celle qu'on a lorsque l'on fait une coloscopie. Donc, choc. J'ai eu un choc. Tous les amis qui étaient là, on a eu un choc, parce qu'on travaille sur ces questions. On voit bien que chaque fois, tout bute sur le fait que les conclusions des toubibs sur les lésions sont jamais très précises. Là, le toubib me dit, mais moi, je connais un dossier. Lorsqu'il y a... Avec cet appareil, on détecte des lésions, on détecte sans problème des lésions de sodomie si elles ont été réalisées dans les mois précédents. Moi, j'écris dans le livre, en fait, on disait à nous qu'au bout de 3 semaines, les preuves d'une sodomie ont disparu. Bon, là, il m'a dit, non, ça dure. Mais ça, vous verrez sur mon blog, hein, ou Facebook, là, surtout pour mon blog. Apparemment, ça serait quelques mois. Mais lorsqu'il y a sodomie répétée, et je peux vous dire que sur beaucoup d'enfants, ça a été répété, c'est répété, vous savez, vous avez tous souvent connaître des cas, lorsque c'est répétitif, les liaisons se superposent, et alors là, elles ne disparaissent plus. Et là, j'ai interrogé une des mères que je connais bien dans la voiture entre Toulon et Nice. Je lui dis, mais... Ton enfant qui a été sodomisé, est-ce qu'on lui a pratiqué une anuscopie? Qu'est-ce que c'est? Elle est devenue folle quand je lui ai dit, mais non, mais ça n'a jamais été des examens très limités, etc., mais quand même qui concluaient, mais pas suffisamment aux yeux du juge. Si c'est confirmé, vous vous rendez compte, ça veut dire que rien, disons-le, que rien n'est mis en place pour mettre en cabane les violeurs, parce que, à la limite, on peut dire ça, parce que, enfin, ou alors ça veut dire que tous les juges ignorent cette pratique. On a un médecin légiste de Toulon qui va nous apprendre ça. Bien entendu, j'ai commencé à faire bifurquer mon blog de l'Amérique latine sur les histoires, des questions de défense de l'enfance et de pédocriminalité. Pédocriminalité. J'ai été assailli, alors, non seulement de commentaires de mère,
mais de commentaires de témoins, enfin de personnes, y compris de journalistes, révulsés par le feu, par des histoires affreuses, et je vais le dire carrément, y compris de satanisme, de crimes d'enfants. Mais, évidemment, ce n'était pas ma question à traiter à outre. J'allais pas résoudre, essayer de résoudre les problèmes de la France en matière de crimes de ce genre, hein, parce qu'il y en a. Mais oui, oui, il y en a, et plus que l'on croit. Je ne sais pas si j'aurai encore le courage, j'ai quand même déjà un âge avancé, je ne sais pas, parce que vous savez, ça m'a même rendu malade physiquement, je n'aurais pas le détail, c'est pas l'heure ici. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai été rencontré une jeune femme suite à des contacts avec une dame extrêmement sérieuse qui s'est battue toute sa vie pour une association de défense, épouse de médecin. Cette jeune femme, elle a même dû tuer plusieurs de ses enfants dans des réseaux pédophiles. Vous avez bien suivi? Elle a dû tuer plusieurs de ses enfants dans des actes de satanisme, puisqu'elle était prise depuis son enfance, toute petite, dans un réseau. Ça n'a rien à voir avec mon bouquin, hein. Mais puisque Daniel me pose la question, je fuis pas. Mais j'en ai pas parlé dans mon livre, parce que c'est, moi, c'est déjà rien de trop, j'aurais pu en écrire 1000 pages. Oui, ça existe. Il y a une énorme affaire dans le Var. J'ai refusé de m'y plonger, parce que j'étais déjà assez rempli d'horreur, rien pour construire mon livre, sur l'affaire Amit Lisa. Certainement que certains d'entre vous, on ne va pas en parler ce soir, hein, mais c'est une histoire à creuser, ça. C'est pas possible. D'après ce qui est dit, c'est des affaires qui existent, qui mériteraient au moins d'être mises en justice. Or, il n'y a même pas de début de justice, puisqu'il n'y a même pas d'information judiciaire ouverte, malgré des plaintes qui ont été déposées. On parle pas d'Ami Lisa, s'il vous plaît. Yeah. Je me présente. Je m'appelle Chérif Tonnet. Et je vais parler aujourd'hui pour tous les gens qui sont fait violer leur nom. Pour tous les jeunes qui n'ont pas pu parler. Ou qui n'ont pas eu la chance de parler. Yeah. Je dédicace aussi cette chanson à tous les jeunes de France, à mon frère Dimitri, Jonathan, Dylan, et à mon père. Là, l'histoire de ces filles qu'on appelle Christelle, et chaque soir prend son petit frère à la maternelle, et avant de rentrer chez son paternel, il joue avec sa copine, vit dans la petite rue. Elle encore trop jeune pour savoir que la vie est cruelle, trop jeune pour qu'elle crève la dalle, en plus elle est belle, belle, belle comme un diamant noir, mais pourquoi son père lui dit donc de se cacher dans l'armoire et à l'égard de son petit frère, qu'elle aime tant voir, et parfois son père lui dit d'embrasser l'oiseau, de caresser les œufs quand ils sont louches sur le dos. Putain, c'est trop crado, pourquoi on fait ça à un enfant? Plus que ça, le dos, plus que délinquant. Mais heureusement, une vie, ça se reconstruit, et faut briser le silence, ouais, ouais, et faire du bruit. Enfance maltraitée, père insistieux, vie regrettée, acte de vicieux, enfance maltraitée. Père assistieux dans un foyer, c'est honteux. Une histoire d'un jeune garçon qu'on appelle Julien. Elle est de CMA, vit dans un petit placard. Et comme fils de chrétien, il va au catéchisme. Il ne plonge plus dans l'égoïsme, pris du fasciste, de l'extrémiste, au smile royal. Il s'est fait caresser, il voulait nous regarder. Yeah, c'est pour toi, Aurore. Je te demande pardon si j'ai pas pu parler quand j'étais jeune. Mais j'étais trop jeune, j'avais peur de mourir. J'avais peur de dire. S'il te plaît, Aurore, pardonne-moi. Dimitri, ok, t'as fait la bullette. Moi qui étais jaloux de toi. Jonathan, toi qui as eu des problèmes. Ouais, Dylan, je t'aime. Papa, je t'ai jamais connu. Je t'ai jamais dit à quel point je t'aime. Je t'ai pas regardé, je t'ai pas vu. Je connais même pas ton nom. Mais un jour viendra, Inch'Allah. Inch'Allah, un jour on se prendra. Un jour, Inch'Allah, on se verra. C'est pour tous les jeunes de France qui se fait violer. Tous les jeunes de France qui sont fait maltraiter, qui n'ont pas pu parler. Tous les jeunes de France qui ont peur de la mort, qui ont peur de tout. Qui ont peur de tout.